Perdidos en la noche. Le docteur Daniel Critchley s'occupe d'un curieux patient. Ou alors cet homme est un aliéné, ou bien le monde s'apprête à terminer sa course. Bonjour docteur Critchley. Alors, ça roule ? Encore une journée paradisiaque. À plus tard. Bonjour. Votre femme a appelé. Leur vol arrive à 6h30 cet après-midi. Tenez, voilà, je vous ai noté le vol et les autres informations. Génial. Et il y a un policier qui vous attend dans votre bureau avec un nouveau patient. Un détenu ? Non, on l'a arrêté hier soir dans le parc. Apparemment, il a attaqué une personne qui ne se serait pas assise, selon lui, sur le bon banc. Fantastique. Il y a du café ? Plein de café. Pas de filtre. Bonjour, je suis le docteur Critchley. Danforth. Merci, vous pouvez... Vous pouvez partir, je prends la suite. Ainsi que je l'ai dit, je suis le docteur Critchley. Je suis expert psychiatre dans ce comté. On vous a amené ici en observation afin de déterminer si vous êtes dangereux pour les autres. Ou pour vous-même. Eh bien, autant me laisser partir tout de suite. Parce que ma présence ici est un danger pour chacun de vous. Je peux savoir pourquoi vous dites ça. Martin, je peux vous appeler Martin ? Si vous voulez. Pourquoi avez-vous attaqué cet homme dans le parc ? C'était quelqu'un que vous connaissiez ? Je ne l'avais jamais vu auparavant. Il représentait une menace pour vous ? Pour chacun de nous. Si on discutait un peu de cette manie... Vous parlez de quoi ? De ce rituel que vous pratiquez depuis que je suis là. Mais quel rituel ? Je me contente de lire cette carte, c'est tout. Ceci, c'est un rituel. Mais enfin, je ne comprends pas. De quoi parlez-vous ? Il n'y a pas de honte à avoir. Vous êtes probablement obsessionnel compulsif. Ça se guérit très bien. Mais je ne souffre de rien du tout. Quand une obsession vous taraude, vous agissez et rien ne peut vous en empêcher. Alors, dites-moi combien de temps ces activités vous prennent-elles dans une journée? Plus vite vous discuterez avec moi et plus vite vous sortirez d'ici. Si vous refusez de coopérer, je peux vous garder indéfiniment. Si ça vous chante. Et vous devez savoir que si vous me poussez, je vais être obligé de vous traiter de force. Non. Vous commettriez une erreur, une tragique erreur, une bêtise que vous regretteriez le restant de votre vie. Et pourquoi ça ? Écoutez, si je vous le dis, si je vous convainc que je dis la vérité, vous me laisserez partir ? Oui. Est-ce que j'ai votre parole ? Vous avez ma parole. Voilà, quand j'étais jeune, je regardais par la fenêtre. Je me lançais toutes sortes de défis. Si une mésange se posait sur le poteau télégraphique et y restait pendant plus de, disons, 10 secondes, rien de mal n'arriverait à ma mère ou mon père ou ma petite sœur. J'ai commencé à faire ça tous les jours. Et si l'oiseau s'envolait avant ? Oh, je me levais au milieu de la nuit, j'allumais et j'éteignais 20 fois la lumière. Ou alors, j'allais placer chacun de mes bouquins à exactement la même distance contre le mur. Ensuite, je savais que tout allait très bien se passer. Je vous écoute, Martin. Martin ?
Tout ça devient trop compliqué. C'est très dur de dissimuler mes rites aux autres. Docteur, dites-moi comment empêcher que l'on me montre du doigt. Écoutez, je peux faire bien mieux que ça. Il y a des médicaments. Non. Non, c'est impossible. J'ai voulu arrêter une fois... Et alors? Grouille-toi, Martin! On va à la piscine! Ce pas ne compte pas. J'avais juste posé le talon. À qui tu parles? Ça sera le prochain qui sera vraiment important. T'es complètement dingo! J'avais rompu le processus. Je devais être furieux qu'il se soit moqué de moi. Non, en fait, c'était plus que ça. Je voulais tester le rite, savoir ce qui allait réellement se passer. Vous pensez que vous avez causé l'accident de votre ami, mais ce n'est absolument pas vrai. Martin, vous entendez ce que je dis? Une seconde. Une seconde, s'il vous plaît. Que pensez-vous qu'il se serait passé si vous aviez fini le rite? D'accord, on va passer à votre famille. Parlez-moi de vos parents. Étaient-ils spécialement pratiquants? Non. Non, pas trop. Vous avez des passe-temps? Que faites-vous pour vous détendre? À vrai dire, il se trouve que j'ai très peu de temps libre. Je vois que vous êtes architecte. Autrefois... Mais j'ai perdu mon travail. À cause de vos activités? Oui, j'ai tout quitté. Mes associés faisaient des tas de remarques sur moi. Ils disaient que quelque chose clochait chez moi. Bien entendu, je n'allais pas leur dire la vérité. Je ne voulais pas qu'ils me prennent pour un fou. Martin, qu'est-ce que vous faites? Ah, je voudrais revoir quelques petits détails. Et... J'ai fait tomber mon stylo. Je ne l'avais fait tomber que 8 fois au lieu de 10. Je savais que je devais terminer le rythme, mais s'il ne voulait pas partir... Martin, on va manger un morceau tous les deux? J'aimerais qu'on discute. Ah, oui, mais il faut vraiment que je finisse mon projet. Ça attendra, Martin. Vous pouvez le rendre 1 heure en retard. Génial. D'accord. Je meurs de faim, oui. D'accord. J'arrive. D'accord. Oh, excusez-moi, je crois que j'ai oublié mon portefeuille. J'en ai pour 1 seconde. Ça ne fait rien, Martin. C'est moi qui régale. Suite de cela, j'y ai passé 8 heures par jour, toute la semaine. Sur vos rituels? Oui. J'ai perdu ma famille, mon emploi. On ne m'accordait plus aucun crédit. Je me suis aliéné tous mes amis. J'étais terrifié à l'idée de leur faire le moindre mal. Tout ce que j'avais construit avec effort pendant toute ma vie s'émiettait. Mais je m'en moquais. Je savais que c'était important. La mort de votre patron n'était pas votre faute, Martin. C'était un tragique accident. Et Billy? C'était une coïncidence. Oh, mais non, il n'y a pas de coïncidence. Écoutez, Martin. Docteur, vous feriez quoi si la situation était renversée? Si c'était vous qui aviez le contrat? Le contrat? Le contrat avec qui? Avec Dieu. Est-ce que vous imaginez la responsabilité, l'énorme charge? Et si vous étiez le seul à faire en sorte que rien ne s'écroule?
qu'est-ce qui s'écroulerait? Mais qu'est-ce que vous croyez, imbécile? Le monde. C'est le monde que je suis forcé de soutenir. Daniel Critchley. Titre honorifique et tout. C'est bien. C'est une de vos astuces. Oui. C'est une technique de dissimulation. Vous faites semblant d'être intéressé, mais en réalité, il s'agit de l'un de vos rituels. Bravo. Vous m'avez l'air plutôt doué comme psychiatre. Je crois que mon travail a porté ses fruits au cours des années, oui. Moi, je suis doué également. En fait, je suis devenu si doué au cours des années que ça m'est presque aussi naturel que respirer. Si seulement je ne voyais pas ces motifs. Ces motifs? Quels motifs? Oh, la plupart des gens les regardent, mais ils ne les voient jamais. Où les voyez-vous? Je les vois partout. Vous en voyez ici? Vous en voyez en ce moment? Oui. Le chiffre 4 semble être un thème récurrent chez vous. Oui, il y a les nombres, le 8, le 10, les chiffres pairs, jamais le 3. J'adore le 5. D'accord, parlez-moi des motifs. Est-ce que les motifs vous indiquent de quelle façon mettre en pratique vos rituels? Oui, ce sont des indicateurs. Ils me montrent la voie. Je vous donne un exemple. J'avais fait tomber un sac d'ordures. Par terre, j'ai aperçu le chiffre 4. Que signifie ce geste? Hein? Ah, vous n'avez pas envie de savoir. Si, dites-le-moi. Qu'est-ce qu'il signifie? Il est sans importance. Vous voulez savoir? Oui. Ça garde votre cravate bleue. Ça empêche les poissons de quitter la mer. Ça empêche les gens de se pendre. Ah, vous voyez, vous croyez que je suis fou, hein? Vous ne comprenez pas. J'ai essayé de résister. Je vous en prie, croyez-moi, j'ai voulu combattre ça. Une fois, pendant tout un mois, je ne me suis brossé les dents que 5 fois par jour au lieu de 6. Que s'est-il passé? Rien du tout. Alors je me suis enhardi. J'allais au travail toujours par la même route. Alors j'ai décidé de prendre une route différente, chaque jour pendant une semaine. Ensuite? Ensuite, rien. Rien du tout. J'ai cru que c'était fini, j'ai cru que le maléfice était brisé. Pour la première fois de ma vie, j'étais enfin capable de me détendre. Imaginez ce qui se passerait si les États-Unis étaient tout à coup privés d'essence. Ici, c'est la panique. Tout le monde se rue sur les produits frais. On ne connaît pas encore le nombre de blessés dus à l'incendie de la raffinerie du nord-ouest de l'État de... Une manifestation a dégénéré en début d'après-midi dans cette tranquille station balnéaire. Jusqu'ici... La police a ouvert le feu sur une... Mais comme j'étais témoin de toute cette violence aux actualités, j'ai réalisé que le message était clair comme du cristal. Sans moi, tout n'est que chaos. La symétrie commence avec moi et se répand en sorte de vaguelette jusqu'aux régions les plus éloignées du temps et de l'espace. Je n'ai pas le droit d'abandonner. C'est un cercle vicieux. Il va falloir que vous vous en libériez. Mais ce n'est pas possible, docteur. Vous ne m'écoutez pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai été choisi. Toutes ces pensées tournent et tournent dans ma tête, tel un film qui passerait en boucle. Je déteste ça. Mais je sais que tout cela est nécessaire. Je sais que si je n'accomplissais pas mon devoir, ne serait-ce qu'une seconde, cela prendrait des proportions catastrophiques. Arrêtez, vous êtes plus fort que vous le croyez. Je ne fais pas ça pour moi. C'est pour empêcher un avion de s'écraser. Vous savez qu'on ne garde pas un avion en l'air en faisant ce geste. Vous avez un grave problème. Et ce problème médical, il est guérissable. Je vais vous traiter par une combinaison de thérapie comportementale et de médicaments. Oh. Je vais vous garder 72 heures en observation et décider de la suite. Non, mais attendez une minute. Vous aviez promis... Non, vous deviez me convaincre et je ne suis pas convaincu. Anne, le patient est prêt. Prêt? Je suis prêt, pourquoi? Je vais commencer par vous donner du néphrosil. Ça a un effet presque immédiat. Je ne prendrai pas de drogue. Je ne prendrai pas de drogue. Docteur, non! Une petite minute. Il faut que je garde le contrôle. Il faut que je garde le contrôle. Maintenez-le. Vous m'avez trahi. Je ne dois pas perdre le contrôle. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que... Non, pitié. Non. Ce n'est qu'une petite piqûre. S'il vous plaît. Aïe.
Alors ça. Mettez-le en chambre d'isolation. Non. Oh, j'ai le vertige. J'ai la tête qui tourne. Oh. Vous ne faites plus vos rituels. Et le monde est toujours debout. Tout ira bien. Vous savez où sont mes clés de voiture? Comment voulez-vous que je le sache? Qui a mis ce range-dossier ici? Pas moi. Je croyais que vous n'aviez plus de filtre à café. Anne! Bonsoir. Bonsoir. Petite seconde, docteur. Merci. À votre service. Réveillez-vous. Quoi? C'est le docteur Critchley. Ah, oh, bonjour, docteur. Écoutez, il se passe des choses horribles. Un avion s'est écrasé. Et ma femme et ma fille atterrissent d'une minute à l'autre. Reprenez vos rituels. Oh, Seigneur, non. Je me sens très bien. Ce médicament que vous m'avez donné a fait des merveilles. Vous aviez raison. Non, non, c'est vous qui aviez raison. Regardez ma cravate. Alors, quel est le mode d'emploi du rite? J'adore cette couleur. Non, le rituel pour les avions. Moi? Je la trouve plus jolie qu'en bleu. Le rituel qui les maintient en l'air, vous vous rappelez le rituel? Oh, vous savez, tout ça, c'était il y a tellement longtemps. Oh, je me rappelle une partie, c'était...
c'était là et sur l'épaule ensuite, d'accord? Combien de fois vous tapiez? Combien, dites-moi? C'était 4 fois? C'était 4 fois ou c'était 8? C'était quoi? Vous faisiez ça, hein? C'était 4 fois? C'était 1, 2, 3, 4? 1, 2, 3, 4? 1, 2, 3, 4? C'était ça ce que vous faisiez? 1, 2, 3, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Allô? Chérie, oh mon Dieu, je t'appelle de l'avion, on a failli s'écraser. Tout est redevenu normal maintenant. C'était affreux. Tout s'est bien tremblé, puis... Ça a marché. Qu'est-ce qui a marché? Oh mon Dieu, ça a marché. Qu'est-ce que tu racontes? Allô? Allô? Chérie? Chérie? Rien d'important. Quand tu te seras posé, reste où tu es. Tu n'en bouges pas, d'accord? Docteur? C'est à vous de continuer le contrat. Il est possible que seul un malade mental connaisse les pensées de Dieu.